C'est lors de la fête de voisinage de l'arrondissement d'Ascot que les citoyens ont pu en apprendre un peu plus sur l'organisme Ascot en santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ascot en santé agit sur le quartier depuis déjà plus de 20 ans. Alors, les problématiques ont évolué. À l'époque où Ascot en santé s'est formé, les questions étaient beaucoup de l'ordre environnemental. Au fil des temps, il y a eu toute la question de rapprochement interculturel, de lutte à la pauvreté, de développement économique du quartier qui s'est ajouté à ça, plus toute la capacité des gens à vivre ensemble, donc apprendre à se connaître, créer des événements pour que les gens puissent se fréquenter, puis créer des liens aussi entre eux, donc briser l'isolement dans le quartier. On apprenait aussi que l'arrondissement doit faire face à une nouvelle réalité qui préoccupe les résidents, rendant l'accès à certains produits beaucoup plus difficile. Alors, comme je vous disais, Ascot en santé, ça évolue au fil des problématiques du quartier. On a vécu récemment dans le quartier la fermeture du Provigo, qui était une des deux épiceries généralistes qu'on avait dans notre secteur. Et les citoyens nous ont interpellés sur cette question-là en nous disant, là, nous, on n'a plus accès à de la nourriture, des produits frais. Pour nous, c'est un problème. On s'est réunis en comité, on était plus d'une vingtaine de citoyens qui ont participé à cette réflexion-là. Et suite à ça, les gens ont dit, on aimerait ça pour pallier à cette situation-là, mettre sur pied un kiosque de fruits et légumes saisonniers. Les gens étaient invités à remplir un questionnaire afin de connaître l'avis de la population sur un futur kiosque maraîcher. L'avenir du projet est prometteur, selon une bénévole. Je dirais que les gens sont tous en faveur, la plupart sont en faveur d'en avoir un, et même de se déplacer, même s'ils restent dans l'Est, ils pourraient se déplacer vers Ascot pour venir profiter du marché. Réunissant de la danse, du chant et une foule d'artisans, on peut dire que l'événement est un franc succès. Essoufflante, mais vraiment super satisfait. Je pense que l'équipe a travaillé très fort. Vous savez, pour organiser cette activité-là, ça prend plus de 75 bénévoles. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une équipe épuisée, mais extrêmement satisfaite. Félix Massé pour Estrie Plus.